Skinner. Paradis Skinner, si on pouvait mettre une note en dessous de 0, je lui mettrais une note en dessous de 0. Vous allez voir ce que c'est. Ça mérite même pas d'être noté. Alors déjà, il est uniquement en anglais. On ne peut pas choisir la langue. On peut choisir la langue que... soit l'anglais, soit le japonais, soit je sais pas quoi. Donc voilà. Donc en gros, il est en anglais de base. Vous avez vu ces trucs, hein, c'est horrible. La musique est horrible. Vraiment horrible. Et les Paradise Killer. La présentation est nulle à chier. Vous allez voir, c'est horrible. On passe sur les. On va passer les dialogues à la con parce qu'on s'en fout. Et puis de toute façon tout est en anglais donc ça donne pas envie. Même ça, ça donne pas envie. Bah, j'ai pas envie de là, je suis pas là pour lire de l'anglais, hein. Je suis pas là pour jouer. Je suis en France, je suis pas là pour jouer à des jeux où faut lire de l'anglais. Hein. Alors ça c'est pas le début, hein. Je vais voir si je peux recommencer au début. Je vais voir hein, parce que je vois que peut-être ça continue là où j'étais. Mais déjà c'est ultra moche, hein. On n'a pas envie. Hein. Je vais vous montrer le début, hein. Je vais essayer. Hein. Voir. Another day. I have a bad feeling about this. Voilà. Alors, au début, vous commencez là. Tout à fait ça. Regardez-moi ces graphismes. Formidable, hein. Vous êtes sur Série X, hein. On est en 2022. Et vous avez ça dans le Game Pass. C'est uniquement pour remplir le catalogue, pour dire aux concurrents, pour faire la dire aux clients, on va dire, aux potentiels clients, regardez, on a un catalogue fourni. C'est normal, on peut fournir un catalogue, et disant qu'on a 200 jeux et que 95% des jeux qu'on a, c'est de la merde. Voilà, on peut dire qu'on a un super catalogue, pour appâter le chaland, quoi. Mais appâter le chaland avec de la merde, on va peut-être déconner, quoi. Regardez-moi ces jeux de merde. Putain, mais regardez-moi ces jeux de merde. Incroyable. Oh là là, mais regardez-moi les graphismes de merde. Putain, c'est, ça mérite même pas un 0. Ça mérite un moins 5. Un moins 20 sur 20, un jeu. Et regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez ça. C'est quoi ça? Mais c'est quoi là? Le mec, il a pété un câble. Mais en plus, c'est des tarés. Mais regardez, c'est un jeu quoi? Interdit au moins de 18 ans. C'est quoi? C'est des pervers, les mecs qui ont créé ça. Ils ont un pète au casque, les développeurs. Et les gens, ils sont payés pour faire sortir des jeux de merde pareils. Mais c'est des emplois fictifs, c'est honteux. Il y a des développeurs qui sortent des jeux pareils avec des gens qui ont travaillé là-dessus. Mais ça va pas, non mais ça va pas, on est dans un monde de tarés. Why? Oh là, oh là. Tu vas te faire chier à lire tout ça en anglais. Mais arrête tes conneries. Zéro, mais ça vaut moins que zéro cette merde. Allez les gars, je vous ai pas vu, je vous ai pas montré la reste après. Vous allez voir. Allez, regardez bien le reste. Regardez ça là. Regardez là. Regardez. Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ces délires de gros tarés. Mais c'est pas. Ils sont tarés ces gens. Ces gens, ils ont un pète au casque. Regardez-moi ces. Oh putain. On est même pas sur mes. Putain, on est même pas sur 360. Putain, mais c'est. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Mais regardez-moi ces. Oh là là. Mais regardez-moi ces saloperies, des saloperies, c'est honteux de sortir ça sur Steam X, honteux de sortir ça dans Game Pass, c'est honteux, Microsoft, j'ai honte pour vous, honte. Regardez-moi ces jeux de merde, regardez-moi ces... Oh putain, même Minecraft c'est plus beau, même moi qui aime pas Minecraft c'est plus beau. Putain, mais c'est un jeu pour débile, c'est quoi ce truc-là? Et putain, mais en plus c'est en anglais cette merde. Il aurait dit en français, il aurait pu peut-être trouver ça marrant, il aurait peut-être eu des jokes. Mais là, c'est bon. That's strange. Why? Ta gueule, ta gueule. Effet, on n'a même pas envie d'aller plus loin. Hein. Putain. Là, je vais vous montrer, on n'a même pas envie d'aller plus loin. Non, là, regardez là. Regardez là. Regardez-moi ça. Là. Même là, on n'a plus envie. On n'a plus envie. Là, c'est bon là. Regarde là. Regarde, c'est quoi cette horreur là? C'est quoi ça? C'est quoi ce jeu de merde? La commune gueule, t'as rien de brûlé. Nanny the hell? Regardez-moi les graphismes de merde.
Regardez la gueule du juge, là, à côté, là. Putain, la gueule de la gonzesse, elle oh, donne I'm glad you got it. Putain. The door to truth will open. Time to breathe life back into paradise. Putain, sur Game Boy, on dirait que je suis revenu sur Game Boy. Et là, c'est pour ouvrir la porte. Alors, on ouvre la porte, on se dit... Ah, là, voilà, bus, voilà. Nightmare interface pour niaiser. Voilà, tu dois te démerder. Voilà, tu dois te démerder avec les touches, là. Voilà, on va refaire le dessin qui est dessus. Ooh, the voilà. Don't like this. Bon, c'est pas dur à comprendre. Et là, t'as quoi, t'as... Tu sautes dans le vide? Tu fais quoi? Donc là, c'est ouvert. Et là, bah, t'as... Comme tu peux voir, une carte. C'est quoi? C'est portail? Faut sauter dans le vide? On va sauter dans le vide, on va voir. Ah ouais. Ah ouais, regardez. Paradise Killer. Oh, putain, ça donne. Eh, mais je suis pas mort. Mais regardez-moi cette horreur. C'est quoi? Mais regardez-moi ce jeu de merde. Et tout à l'heure, il y avait Sebi qui streamait sur Crossfire X. C'était horrible à chier au niveau. Mais regardez-moi ça, Sebi. Mais ça, c'est... Crossfire X, c'est super beau. C'est un jeu next-gen de Xbox Series X Pro. Mais les mecs, ils sont payés. Ces gens-là, ils ont des salaires. Last night was a killer. Ils vont mettre un an ou deux ans pour sortir une merde pareille. Mais c'est une boîte de tarés. Mais arrêtez, faut les virer, ces gens-là. Ils sont tarés, ça va rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ça veut dire qu'il y a des gens, des développeurs ou des producteurs de jeux vidéo, qui ont investi peut-être des millions de dollars là-dedans. Allez, j'espère pas des millions de dollars, j'espère même pas. Allez, on va dire 100 000 euros, mais même 100 000 euros. Ça veut dire qu'ils ont jeté par la fenêtre 100 000 euros. Mais c'est quoi cette merde? I was born to investigate. Oh là là là. Et on va arrêter. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là. Mais les mecs, ils sont tarés. Ils ont un gras. Et là, c'est des bons pour l'asile. Hein. Et c'est vraiment bon pour l'asile. Hein. On va arrêter là. Hein. On va arrêter le massacre. Hein. C'est pas la peine. Regardez-moi cette horreur. Regardez-moi cette horreur. Oh là 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 là. Allez, on arrête le stylo. Hein. Oh là là, on arrête le. J'arrive même pas à faire quitter. Ah non, on peut même pas quitter. Ah 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 ah. On peut pas quitter. Eh hey, la map de merde. Oh la map de merde. Oh là, oh là là. On va quitter comme ça les enfants, hein. On va quitter sur la gueule de la map. Oh quel jeu de merde. Bon allez, à plus, on va au prochain. Celui-là il vaut même pas 0 sur 20. Hein. Alors oui, la note. On va faire comme chez Chouné. Est-ce que c'est un jeu de merde, hein? Où est-ce qu'il faut y jouer? Bah non, celui-là, c'est même pas 0 sur 20. C'est moins 2. Moins 2, et je suis gentil, moins 2 sur 20. Oh mon dieu, oh mon dieu.